Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Au sixième mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi « Celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce mercredi 20 décembre, nous approchons de la nativité du Seigneur. Après l'annonce à Joseph et au couple Zacharie et Élisabeth, Luc nous présente aujourd'hui la plus importante de toutes les annonciations, celle de l'ange Gabriel à Marie. Nous trouvons en elle un modèle d'obéissance et de docilité. Marie fait entrer Dieu dans l'histoire de notre monde par elle, le Verbe s'est fait chair. Elle reçoit cette grâce non parce qu'elle est vierge, car toutes les vierges en Israël attendaient la consolation d'Israël, attendaient la prophétie, sa réalisation. Marie a reçu une faveur de Dieu, non plus comme une imposition, car elle jouissait de la pleine liberté. Elle avait le choix d'accepter ou de s'abstenir à la demande de Dieu. Mais Marie, dans sa docilité, fait confiance à Dieu et pose un acte de foi par son oui. Marie nous inscrit à l'école de la foi qui cherche Dieu, l'intelligence de la foi. À l'annonce de l'ange, elle cherche une explication. À cœur ouvert, elle s'interroge sur la faisabilité. Comment cela va-t-il se faire? Une sorte de demande d'éclairage. Marie nous apprend l'intelligence de la foi ouverte qui cherche Dieu. Aujourd'hui, nous sommes appelés à imiter les vertus de Marie. L'obéissance à Dieu dans toutes nos entreprises, l'écoute attentive de la voix de Dieu dans sa parole, dans les corrections fraternelles, dans les orientations et conseils d'un frère ou un ami, Marie nous apprend à dépasser le croire pour croire, la foi du charbonnier, pour faire un sursaut vers l'intelligence de la foi qui cherche à comprendre. Donne-nous, Seigneur, de comprendre tes desseins dans notre vie aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.